c'est fort, mais on imagine toujours, on n'imagine pas en fait. Je pense qu'on réalise pas, on a du mal à se mettre dedans. Je suis montée sur le podium, quand on voit tout ça, ça nous donne des frissons. Ouais. L'émotion était bien là ce vendredi après-midi sur le parvis de l'hôtel de ville d'Angers. Les trois médaillés paralympiques de club angevin, Élodie Laurendi, François Sérignat et Arnaud Assoumani, sont tout juste rentrés de Pékin. Il y a 91 000 personnes, c'est la folie dans le stade. Et là on se dit, bah, ça y est, ce pourquoi je me suis entraîné pendant tant d'années, ça y est, j'ai réussi, mon objectif est atteint et là c'est formidable. Donc là je suis parti pour faire un tour d'honneur qui a duré un quart d'heure, vous prenez des photos tous les deux mètres avec des Chinois et j'applaudissais aussi, je remerciais les supporters français qui étaient là. Non, c'est plein d'émotions à la fois. L'émotion, enfin, c'est aussi celle des familles des sportifs. Un plaisir. On a les larmes aux yeux quand on le voit. La médaille dans la poche, les sportifs vont pouvoir faire le tour des supporters et aussi se reposer avant de se remettre au travail.